Ça y est, après des heures et des heures de travail, vous venez de finir votre vidéo et de la publier, vous pouvez enfin aller vous coucher et rêver de toutes les vues que vous allez faire. Mais le lendemain matin, vous regardez YouTube Studio et le résultat est devant vos yeux. Votre chaîne stagne. La bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie qui va vous aider à créer du contenu qui touche réellement votre audience. Et pour ça, il va falloir répondre à deux questions très importantes. Pour qui est-ce que vous faites des vidéos et qu'est-ce qui les intéresse vraiment? On a trop souvent tendance à croire qu'une fois qu'on a trouvé la thématique de notre chaîne, tous les sujets qui touchent à cette thématique sont des sujets à aborder. Prenons cette chaîne comme exemple. Je fais des vidéos pour les streamers, donc mes idées de vidéos ont toujours un lien avec le streaming. Mais quand j'ai sorti cette vidéo comment ajouter des sous-titres sur Twitch, elle a fait un flop absolu. Pourtant, vu de l'extérieur, on est clairement sur une thématique qui s'adresse à des gens qui streament sur Twitch. Alors, pourquoi ce flop? La raison, c'est que YouTube, c'est pas juste une histoire de faire des vidéos pour une niche. C'est une histoire de faire des vidéos qui intéressent les gens et qui leur donnent envie de revenir pour en voir d'autres. Si vous êtes en train de chercher comment mettre des sous-titres sur Twitch, il est fort probable que vous tombiez sur ma vidéo et que vous décidiez de la regarder parce qu'elle répond à votre problématique. Mais par contre, si YouTube vous suggère cette vidéo sur votre page d'accueil, vous cliquerez jamais dessus parce que la vidéo essaye de résoudre un problème que vous avez pas actuellement. Et elle vous dit pas ce que vous allez gagner si vous mettez des sous-titres, elle vous dit juste comment les mettre. Ce qui est terrible, c'est que je fais cette analyse en même temps que je fais cette vidéo, du coup, je me rends compte de tout ce qui va pas sur ma chaîne. Si je vous pose la question pour qui est-ce que vous faites des vidéos, peu importe le type de chaîne que vous avez, la plus grosse erreur ça serait de me répondre pour tout le monde. Parce que vous pourrez jamais satisfaire le monde entier. Moi je savais que c'était un piège à éviter, mais l'erreur que j'ai commise c'est d'avoir pris cette question trop à la légère en répondant pour les streamers. Le problème c'est que ça reste trop vaste et c'est ce qui m'a amené à faire des erreurs. Au lieu de me contenter de cette réponse basique, j'aurais dû faire un avatar. Un avatar ça consiste à créer un personnage fictif qui correspond à un spectateur typique de votre chaîne. Vous devez essayer de déterminer son âge, son sexe, ce qu'il fait en se levant le matin, combien il gagne dans la vie, ses passions, ses objectifs, ses peurs, etc. La première fois que j'ai vu ce concept, je me suis dit mais what the fuck, à quoi ça sert? En gros, dites-vous que si vous faites cet exercice et que vous commencez à vous mettre à la place de votre avatar, vous allez commencer à comprendre ses motivations et ses craintes. Et donc quand vous aurez des idées de vidéos, vous arriverez plus facilement à savoir ce qui va intéresser votre audience. Si vous avez déjà des vidéos sur votre chaîne, vous pouvez aller voir vos données analytiques pour vérifier si votre audience correspond à l'avatar que vous avez en tête. Si c'est pas le cas, ça peut vouloir dire que vous partez dans la mauvaise direction ou alors que vous avez mal imaginé votre public. Dans les deux cas, c'est à vous d'essayer de mieux comprendre qui est votre audience pour que vos prochaines vidéos soient mieux ciblées. Maintenant que j'ai mon avatar et que je sais pour qui je veux créer mes vidéos, on va reprendre l'exemple de la vidéo des sous-titres et voir comment j'aurais pu mieux la préparer. Plutôt que de penser à l'aspect recherche, je vais me pencher sur les craintes et les objectifs de mon avatar. Une de ses peurs, c'est que les gens passent sur son live mais ne restent pas. Parmi les gens qui passent, il peut y avoir des personnes sourdes ou malentendantes, et le fait d'avoir des sous-titres, ça peut les aider à se sentir mieux accueillis et donc les inciter à rester. Donc plutôt que de parler de sous-titres, j'aurais dû essayer de trouver un titre qui essaie de résoudre la problématique de mon avatar, la rétention de nouveaux viewers. Trouver le bon titre, c'est un vrai travail de recherche et ça va vous demander plusieurs itérations jusqu'à ce que vous le trouviez. Donc je vais essayer d'écrire des titres qui vont dans ce sens. Devenez un aimant à viewers. Augmenter la rétention de nouveaux viewers. La raison qui vous fait perdre des viewers. En commençant à rédiger ces titres, je suis en train de me rendre compte que le sujet des sous-titres, c'est un peu léger pour répondre à cette problématique. Et il faut pas tomber dans le putaclic, il faut être capable de délivrer le contenu attendu par votre public, c'est beau. Donc plutôt que de parler uniquement de ce plugin qui affiche des sous-titres, ça pourrait être un outil parmi d'autres dont je parlerai dans la vidéo. Vous voyez où je veux en venir? Je commence avec une idée qui rentre dans la thématique de ma chaîne, et ensuite je réfléchis comment je peux rendre ça intéressant pour mon public. Parce que l'intérêt de YouTube, c'est de suggérer des vidéos qui intéressent les gens pour qu'ils les regardent le plus longtemps possible. Ça veut donc dire que vous devez apprendre à rendre votre contenu le plus intéressant et captivant possible. Et pour ça, vous pouvez travailler sur plusieurs points. Pour commencer, votre intro. Montrez que vous allez tenir votre promesse dès le début de la vidéo. Si le spectateur doit attendre 1 à 2 minutes pour être sûr que la vidéo va bien parler du sujet pour lequel il est venu, il y a de fortes chances qu'il parte avant. Allez droit au but, que ce soit dans votre intro ou durant la vidéo, si vous commencez à raconter votre vie, les gens vont partir ou zapper le passage. Pensez aussi à supprimer le superflu. Posez-vous toujours la question, est-ce que si j'enlève ce passage, on comprend plus rien à ma vidéo? Ça vous permet de savoir ce qui est à garder et acheter. C'est souvent une histoire de répétition, on dit la même chose d'une façon un peu différente et la vidéo avance pas. Ensuite, dynamisez votre montage. Coupez les silences, mettez du texte, des animations, des zooms et des effets sonores pour garder l'intérêt de vos spectateurs. Et pour finir, analysez et améliorez votre contenu. S'il y a un graphique à analyser pour améliorer votre contenu, c'est celui de la rétention d'audience. Parce qu'il vous montre ce qui plaît et plaît pas à votre public. Si vous voyez une baisse en plein milieu de votre vidéo, regardez le passage et essayez de comprendre ce qui va pas pour pas faire la même erreur la prochaine fois. Pareil, si vous voyez une hausse, analysez le passage pour comprendre ce qui a plu à vos spectateurs. Et si vous voulez savoir comment captiver vos spectateurs le plus longtemps possible, vous pouvez regarder la prochaine vidéo.